Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à avoir vu la révélation des pyramides, aussi connue sous le nom de l'ère d'épée. Je l'ai réalisé en 2009. Il a été vendu dans plus de 22 pays et vu par plus de 80 millions de personnes à travers le monde. Mais pour moi, ce film appartient au passé. Je me suis depuis totalement désolidarisé de l'informateur secret à cause de divergences graves. Et si je suis ici pour reparler de ce film, c'est justement parce que le youtubeur Squeezie a fait en décembre une vidéo en pompant quasiment intégralement une séquence de ce film et qu'il s'est fait aussitôt tomber dessus avec une telle violence qu'il a dû faire machine arrière et s'excuser sur Twitter. Pour certains, lutter contre l'RDP est devenu le combat de leur vie, mais plus prosaïquement, le moyen de grappiller de la notoriété ou de générer du clic lucratif. En vendant de la pub, en faisant des appels aux dons, et avec en fond de message, circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien si, non seulement il y a à voir, mais en plus il y a à réfléchir. Et c'est bien plus important qu'on pourrait le penser. L'histoire, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie pour justifier l'état du monde. C'est-à-dire que... on dit voilà, avant c'était terrible, c'était la monarchie, la dictature. Regardez, aujourd'hui on est bien, on a la république, la démocratie, tout va bien. On s'appuie beaucoup sur l'histoire pour asseoir une situation. Et finalement, c'est un peu une sorte de réécriture de l'histoire qui est en train de se jouer. 10 ans après avoir réalisé LRDP, je fais volontiers mon mea culpa. LRDP était trop sensationnel et pas vraiment construit comme un documentaire archéologique classique. And the whole thing in only 20 years with this. Je peux comprendre que ça agace, mais il faut tout de même pas exagérer. On va remettre la révélation des pyramides dans son contexte. En 2006, quand je suis allé chercher de l'argent pour réaliser ce film, j'ai rencontré des producteurs et des chaînes de télévision et tout le monde m'a répété que le film était trop dense, qu'il y avait trop d'informations, que le temps moyen d'attention du spectateur était de 45 minutes. Bref, tellement de choses que je suis un peu parti sur la défensive. C'est pour ça que j'ai décidé de fictionner la narration, de prendre une voix de femme, de faire une enquête criminelle et de choisir un informateur secret. Le vendeur international voulait que ça claque, et la suite, vous la connaissez. Mais déjà avec du recul, cette histoire d'informateur secret partait mal. Pourquoi? Parce que soit ces informations sont connues par les spécialistes et tuent, et alors on est en mode conspiration, soit ces informations ne sont pas sues par les spécialistes et alors on est en mode incompétence. Alors qu'en réalité, c'est cette autre manière d'aborder le sujet qui dérange. Le plus agaçant peut-être dans cette histoire, c'est que ce travail a été entrepris par un réalisateur qui vient de la pub et du clip et non par un archéologue. Mais si je n'avais pas fait comme ça, le film aurait-il fait découvrir ce sujet au grand public et déchaîner les passions? Les gens intelligents font la part des choses, et en ce sens, ce film est un bon indicateur de l'ouverture d'esprit du spectateur. Car si LRDP a fait autant de vues, ce n'est pas parce que le public adore les contes de fées, comme le prétend l'archéologue Jean-Pierre Adam, mais tout simplement parce que les hypothèses conventionnelles ne satisfont pas la raison. Comme je le répète depuis 2012, je ne cherche pas à ridiculiser les archéologues, ni personne d'ailleurs. Si on trouve que j'ai été irrévérencieux avec l'archéologue Jean-Pierre Adam, c'est à la hauteur de son mépris farouche et de sa verve assassine envers tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Durant une des deux interviews qu'il nous a données dans le cadre de l'RDP, nous avons abordé la question du géopolymère, cette technique qui permet de reconstituer des blocs de pierre à partir d'une pâte minérale, un peu comme le béton, a été mise au point par le professeur Davidovits il y a plus de 20 ans. Il avance son emploi dans l'Égypte ancienne. Renseignez-vous sur cette hypothèse et vous verrez qu'elle n'a rien de farfelu. Voici ce que Jean-Pierre Adam avait répondu face caméra lorsqu'on lui avait posé la question. Là, je vous répondrai volontiers que mes connaissances en matière de troubles mentaux sont extrêmement ténues et que je ne peux pas répondre à une telle aberration. On se sert souvent du traitement qui aurait été réservé à ce monsieur pour accuser LRDP d'être anti-scientifique, mais on parle rarement de tous les autres intervenants. On essaie de décrédibiliser ceux qui émettent des doutes, on reprend certaines formulations, et c'est comme ça qu'en pinaillant sur des détails, on laisse de côté tout ce qui dérange. Moi, je trouve étonnant qu'à notre époque, et dans un pays comme le nôtre, on ne puisse pas émettre de doute sur des hypothèses devenues vérité sans se faire insulter. Il y a encore une vingtaine d'années, la Grande Pyramide était un tombeau bâti par des esclaves. Aujourd'hui, c'est un cénotaphe, un monument funéraire bâti par des ouvriers. Preuve que les choses ne sont pas définitivement gravées dans du marbre. En fait, si on se rappelle les paroles de Guillemette Andreu, we assume that the Egyptologist is overwhelmed by archives. This is true for some periods, but for others, like the ancient empire, somehow it's a big question mark. And that's why finally your questions are ours. When it comes to the pyramids' construction, we have a lot of ideas, but no written account. Je me pose des questions simples. Par exemple, dans l'RDP. Feat number 6. Something no construction theory mentions is that the Great Pyramid actually has 8 sides, since each one is slightly bent, as you can see on this picture. Ce qui intrigue, c'est que la deuxième pyramide du site de Gizeh, qu'on appelle la pyramide médiane, ne possède pas ce renfoncement des faces, alors que la troisième pyramide le possède, et la pyramide rouge, censée avoir été bâtie avant la grande pyramide, le possède également. Quand on voit ça, on se dit,
Mais pourquoi ces trois pyramides ont-elles 8 faces et pas celle-ci? Si vous ne vous posez pas la question ou que ça ne vous paraît pas étrange, c'est justement parce que vous n'avez jamais réfléchi aux conséquences pour la construction. Et si c'est le cas, ce n'est pas parce que vous seriez stupide. C'est simplement parce qu'on ne vous en a pas parlé ou qu'on n'a pas attiré votre attention dessus parce qu'on n'a pas estimé important de le faire. Pourtant, selon les professionnels de la construction, ça complique énormément le chantier car il faut gérer ce léger enfoncement jusqu'à 140 mètres de hauteur en empilant près de 2 millions de blocs de pierre pesant en moyenne 1,5 tonnes. To keep this 8-sided base on the 4 sides of the edifice during the construction with an accuracy down to the centimeter, even down to the millimeter, would be very difficult, extremely difficult. Rappresenta davvero una grande difficoltà e penso che anche al giorno d'oggi voler. And I think that if today we wanted to build the same structure using modern measuring and control devices, the techniques available today, we would definitely be in trouble. Penso che sarebbe un grosso problema. Aucun n'est pareil, n'a la même hauteur ni la même longueur. Alors pourquoi? Je vous propose d'écouter l'explication de l'archéologue Jean-Pierre Adam. Ce n'est pas du tout made on purpose. Prémédité. C'est un accident. That was an accident, very minor by the way, due to the monument structure. Crac, elle se tasserait et hop, 8 faces bordées d'arêtes rectilignes, magique. Je ne mène pas de combat secret contre la science, simplement je ne me satisfais pas de ce genre d'explication. Et je ne suis pas le seul. Mes questions sont d'ordre technique et non historique. Si demain vous aviez à construire une pyramide, vous ne feriez pas appel à un égyptologue mais à un architecte et à une entreprise de construction. C'est ce que je fais pour tenter de comprendre. Either you believe in God and in aliens, or you may imagine any kind of setup, or, like me, you want to keep it down to earth, believing only in men and asking yourself how he did it. I have no clue. I couldn't do it, that's for sure. Une croyance, c'est lorsqu'on croit à une chose sans avoir besoin qu'on nous la démontre, sans preuve. Le but de mes films est le même que celui de la science. Sortir les gens de toutes sortes de formatages ou de croyances qu'on impose. Lorsqu'on affirme que la Grande Pyramide aurait été bâtie en 20 ans, par exemple, c'est selon moi une croyance. Et j'argumenterai dans ce sens-là dans le prochain épisode. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais seulement le fruit de mon travail à ceux qui le souhaitent. Je ne suis pas là non plus pour vous vendre la vérité parce que je ne la détiens pas. Mais ce sujet me fait réfléchir depuis tellement de temps maintenant que j'ai refait un nouveau film. Il bouscule les hypothèses courantes et en propose une autre, que notre civilisation puisse avoir été beaucoup plus développée dans le passé qu'on le pense, qu'elle aurait pu être détruite par un cataclysme il y a 13 000 ans, mais qu'elle serait parvenue à transmettre un grand nombre de connaissances à travers la planète, ce qui expliquerait les similitudes observées entre des sites anciens. Évidemment, dit comme ça, ça peut paraître totalement improbable. C'est pour ça que le film est dense et dure plus de 2 heures. Il s'appuie sur des publications scientifiques, des vérifications techniques faites avec des outils performants et des recherches étayées. You may ask yourself questions, lots of questions, but asking the right ones is truly an art, a priceless art that everyone can afford. Pour terminer cette mise au point, je ne fais pas non plus la promotion des extraterrestres, car comme je l'ai dit dans BAM, you need to know that as soon as you question the academic version, others will immediately suspect that you believed it was all built by aliens. That's what's meant by not underestimating human capabilities. Non, non, c'était fait à la main. It suggests that we necessarily expect an extraterrestrial solution to resolve the issue of the tool. But to tell you the truth, although I cannot explain the method used, I do not feel that this was something made by beings capable of traveling across the universe. Pour ceux qui auraient envie d'aller voir BAM, c'est ici. Dans le prochain épisode, on va faire du fact-checking égyptologique et voir ensemble sur quoi repose l'hypothèse du tombeau bâti en 20 ans. En attendant, je vous invite à relativiser ce que vous croyez ou pensez vrai. Tout en suivant ce conseil prudent de Jean Rostand, avoir l'esprit ouvert n'est pas l'avoir béant à toute sottise.